Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On avait fait un épisode un peu tranquille à faire de l'artisanat et de la cuisine pour améliorer notre bateau et troquer avec Francis. Et j'étais en quête de brouillé. Donc je vous dis tout simplement en off, j'ai fait de la crème brûlée et des œufs brouillés. Donc on va pouvoir faire du troc avec Francis. Et voilà, on se retrouve avec Francis, on va pouvoir lui donner les crêpes, les œufs brouillés et le latte pour 15 000 pièces quand même. Hein. Alors, on n'a plus de choux, on n'a jamais eu de saumon sockeye. Alors ça, j'y tiens trop, hein, mon minerai de pulsar et ma comète. Le thon, c'est pareil. Ici, du céleri, de la fibre de coton. On en a, je dirais pas un peu rien à foutre, mais quand même. Donc, rage et sucre, rage de sucre de la mort, je prends. Du minerai d'aluminium et de la flamboyante, j'en sais trop rien. Par contre, ça, je sais que j'en ai rien à faire. Là, tout simplement, la nébuleuse, j'en ai pas. La gelée scintillante, j'en ai plus beaucoup. Et j'aurais pu faire un petit peu ça pour avoir un peu de cap de métal. Mais c'est pas une grosse nécessité. Du coup, on a pas mal dépilé les améliorations, hein, il nous en reste encore, mais on commence à s'en sortir. Donc la guédille de Omar, on va pouvoir la donner à Bruce, hein, tant que ce soit le matin. Le cadre de la maison d'Atul, pour l'instant on n'y est pas, donc amener Giovanni au seuil éternel, on va voir si on y va. Les honoraires de 450 000 lueurs, sérieusement, les 450 000 lueurs, on est à 50 000. Autant dire que c'est pas folichon. Et je faisais des expériences avec la cuisine. J'ai fait une frittata. Donc j'ai fait avec de l'huile, j'ai fait avec du sucre, j'ai fait avec du lait. Ici, il n'y a rien. Je crois qu'avec ces choses-là, ça donne des trucs chelous. Et avec du maïs, ça donne... J'ai quand même. Ça fait peut-être une omelette à un moment. Je crois qu'omelette, je sais pas. Les moutons qui deviennent... Je te nourris quand même, hein. De toute façon, j'ai trop de cerises. Donc... Je t'ai donné une olive, je suis désolée. J'ai ripé. Hop, ce mouton-là, on le nourrit également, hein, autant le faire pendant qu'on est devant. Et celui-là a vraiment faim. On est pas mal. Donc, les quêtes nous disent d'aller à Hawksbury, mais pour ça, il nous faut 450 000. Et ouais, on est trop tard, hein, trop tôt, comme vous voulez, dans la nuit. Je pense que ma vache, je peux pas la traire, c'est ça. Et du coup, Francis n'a pas de chasse au trésor, on est d'accord. Hein. Chasse au trésor, j'aurais bien aimé... Le miel, j'aurais bien aimé aussi. Non. Alors, est-ce qu'on a du chou en chouchouté? Non, parce qu'on n'a plus rien ici. J'ai planté les deux graines que j'avais récupérées. Donc on est, je dirais pas foutu, mais quand même un peu. Ici, ils ont déjà tout mangé. Donc c'est pas mal. Et ça y est, on est le matin. Bah oui, bien évidemment, salade aux œufs. Salade aux œufs. Donc on est le matin, on passe là, on cloche. Qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait se dire, on va par là. Graines d'olive.
petit plus de frêne, du bleuet. On a dit aussi qu'on aimerait bien avoir un petit peu de caisse pour avoir des graines. Je vais tout simplement choisir d'aller là. Au revoir Francis. On va continuer d'expérimenter, hein, bien sûr, avec la cuisine. Je suis pas sûre d'avoir fait ce genre de choses, par exemple. C'est déjà prêt? Si, du lait au sucre, du lait chaud. Du caramel au beurre. Ah! Du sucre avec des fruits, on a dit que ça faisait des bonbons. Voilà, on récupère malheureusement que des graines qui vont dans l'autre truc, celui qui ne nous intéresse pas. Celui qui ne permet pas de... planter des légumes. Donc il a un peu faim, c'est logique. Hein. C'est cool, je suis contente de découvrir des recettes. Des petits légumes, un petit câlin. Donc on pourrait aller à Hawkesbury. On sait qu'on peut y aller. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on n'aurait pas fait en zone? On pourrait retourner ici, voir au musée de Suzanne. Est-ce qu'on a besoin d'aluminium? Il y aurait des caisses. Ça nous ferait des caisses. Ça nous ferait des caisses. Graines de cerise, graines de laitue, graines de thé. Pourquoi pas profiter. J'ai laissé du zinc et de l'aluminium ici. Donc ça pourrait être ça l'idée de tranquillement aller par là. Alors ici, il y a un coffre rare et des choses qu'on ne sait pas ce que c'est. Je pense qu'on va tranquillement se balader un petit peu. Récupérer un petit peu de graines. Et on ira voir le musée de Suzanne. Je pense qu'on a des choses à y faire. Ça va nous permettre de débloquer un peu notre collection. Et donc ici, on n'a plus rien à planter, hein, malheureusement. Vous voyez, pas d'item disponible, ça y est, c'est fini. Il va falloir qu'on achète des choses au marchand. Je vais quand même essayer de voir si on peut pas cuisiner d'autres choses. Genre avec notre sucre, on peut faire du sucre et du lait. C'est ce que j'ai fait pour avoir... J'ai fait un sucre. J'ai fait les deux. J'ai fait le sucre et le lait, le sucre et l'eau. Ça, ça donne des bonbons. Sucre et maïs. Ça donne quoi, sucre et maïs? Ici, on a faim. Oui, oui, je sais. Et on te la donne, ta gadie de homard, mon gars. Donnez. Je peux même la donner en nourriture, normalement. Tu as pris ton temps. Attends, c'est quoi ça? Il y a du poisson dans une guédille de homard? Mickey ne peut pas manger ça, il est allergique. Peut-être qu'on crève de faim, mais on mangera pas ça. Mickey ne mangera pas quelque chose qui peut le tuer, Scout. Il veut quelque chose de plus traditionnel, pas ces poubelles de luxe. Tu sais quoi? Il y avait cet endroit à Woodbridge. Ils avaient un slogan magnifique. Qu'est-ce que c'était? On s'en fout. Ils faisaient le meilleur poulet frit alors. Ah mais nous du poulet frit, traîne pas ici, go! Du poulet frit, on sait qu'on peut en faire! Ah, on va pouvoir planter du
blé, j'ai un doute. Non, je crois que le blé est de l'autre côté. Alors, je vais devoir te nourrir. Et tu es à peine content. Faudrait que je regarde c'est quoi ton plat préféré. C'est pareil, ça fait longtemps que j'ai pas fait celui d'Astrid qui est des nouilles. Donc on a dit qu'on allait essayer d'aller là. Ici c'est un dragon d'argent. Ah, c'est un dragon d'argent. On va y aller, on sait qu'on va avoir besoin du minerai d'argent à un moment ou à un autre. Ici, il a faim. Tout le monde a faim. Bien évidemment, t'aimes la cuisine raffinée, toi. Raffinée. Bah, du coup, tu vas me prendre la quête de homard. Enfin, pas de câlin. Tant pis pour toi. Et on a effectivement pas vu Astrid depuis un petit bout de temps. Ok, ça donne un bol de céréales. Pas du tout ce que je voulais. Je voulais rien spécialement, je voulais expérimenter. Je sais pas si j'ai expérimenté ce genre de choses. Il faut que je monte tout là-haut. L'inconvénient de mettre les maisons loin. Mais c'est vrai que du minerai d'argent, ça serait intéressant. Alors, comment tu te goupilles, dragon? Arnaque, on est tombé. Ok, il va falloir utiliser cette chose là. Donc là, je monte. Et je me casse la gueule. Bien joué, Chobiti. Ah, il a bougé pile à ce moment là. De minerai d'argent, c'est quand même cool. Ça va aller de quel côté? Génial, il y a une espèce de tornade. Ok, qui nous aide plus qu'autre chose en fait. Oups. Bon bah c'est plutôt cool, ça nous fait du minerai d'argent. Au revoir petit dragon. Je peux pas passer. Et du coup on va essayer d'aller par là. Ici c'est quoi? Du minerai de pulsar. On va essayer d'aller là. Visiter un peu. Ah bah rebelote, rebol de céréales, décidément. Mon cerveau oublie ce qu'il fait, c'est pas très grave.
Je peux mettre des palourdes avec... des olives. C'est parfait. Ici j'ai rien. Alors peut-être tout simplement parce que j'ai mis un bâtiment qui coince, hein. C'est peut-être toute la logique de la chose. On va donc réorganiser un peu notre bateau pour réussir à faire en sorte que ça soit un peu mieux. Non, je vais laisser ça là, ça c'est très bien là, je pense. C'est plutôt ça. Je vais essayer de bouger. Je mets la petite horloge. Non, c'était la petite horloge que je voulais. Est-ce que je peux la mettre là? À mon avis, c'est risqué. Je vais la mettre là. Mettre ça. Ici. Je peux mettre ça là. Mettre ça à côté. Parfaitement. Et mettre ça comme ça. Quelque chose me dit que mon moulin il va mieux fonctionner. Alors je veux pas faire ce moment faire les ventes de ça. Pourquoi je... Il fait pas nuit pourtant. Et pourtant on n'avance pas. Je vous vois, on n'avance pas. M'empêche d'avancer. Ah voilà. Tant que ce cher Giovanni se dépêche. On va le faire les ventes du coup. Comète, ça reste marrant. On a mis un petit trou dans notre zone. Pont ici. C'est parfait. Voilà, les ventes se finissent. On est reparti. Je pense que j'ai rien à replanter ici, hein, malgré les... Malgré les deux caisses qu'on a récupérées, on n'a rien à aller chercher. On va espérer qu'il y aura un petit marchand. Je fais un petit peu de nourriture en passant.
D'ailleurs, on va en profiter pour regarder un peu si on peut améliorer notre bateau avec tous les matériaux qu'on a chopés. Hein. Surtout que le minerai d'argent, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse des choses. Ici, minerai d'argent, il nous manque du tissu de soie, mais on a largement ce qu'il faut, et de l'ectoplasme en bouteille. Toujours cet ectoplasme en bouteille. Ici, on a assez de lueur pour l'améliorer encore mieux. Donc toujours l'ectoplasme en bouteille, ici l'ectoplasme en bouteille, l'ectoplasme en bouteille, et ça on pourrait. Lingot d'argent, on a ce qu'il faut, on pourrait faire le meuble à liqueur. Ce qui pourrait être une bonne idée. Je sais pas si leur donner de la liqueur est une bonne idée, mais en tout cas, finir de leur améliorer leur bateau. Leur maison sur notre bateau, ça pourrait être une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu devrais continuer à marcher. Je vais à la rencontre de quelqu'un, et ce n'est clairement pas toi. Il a dit discret. Et un géant comme ça, ce n'est pas discret. Ok, donc ici, il n'y a rien de plus. On va sûrement pouvoir monter sur les toits. Ici, c'est fermé. Oh, ça y est. Cet endroit sent comme les poubelles chaudes d'un jour ensoleillé. Quand le soleil tape sur les bennes à ordures, juste là, ça sent le poisson mort. Le taxe qui travaille dur. Ça a l'air sympa. Je suis le roi lézard. Ok. Je suis le roi lézard. Ok. Cul-de-sac. Je ralentis un petit peu. Celle du dessus, je peux pas y aller. Celle du dessus, je peux pas y aller. Okay. Ici, on a Giovanni. Bambina, tu m'as étonné. Tu joues des tours à ton vieux Giovanni. Ha ha! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, d'accord. Fais comme chez toi. Alors, pardon quoi? Moi, je fais du shopping. Oui, du shopping. J'ai besoin d'acheter des médicaments. Oui, des médicaments pour mon dos, tu sais. Il fait terriblement mal. Oh, quelle tragédie! Oui, je sais que cet endroit a l'air un peu douteux. On penserait trouver des bijouteries de seconde main ici. Ou des télés de haut de gamme avec des boîtes un peu usées qui tombent suspicieusement des camions de livraison. Mais il ne faut jamais juger un chien par la propreté de son pelage. Ce n'est pas tout ce qui puisse être aussi resplendissant que moi. Bon, je dois y aller. À plus. Encore un endroit douteux. On peut te parler. Mon nom est Randy. Je sais, mais tous les marchands ne s'appellent-ils pas Théodore? Oui. Mais pas si tu ne peux plus la franchise de Raccoon Inc. Écoute, entends-moi bien. Je sais ce que tu vas penser. Ce mec est louche. Bon, ben c'est vrai. C'est pourquoi je me couperai un bras et une jambe seulement pour offrir les meilleurs prix. Et pas seulement les meilleurs prix. Les meilleurs items. Jette un œil à ça et rappelle-toi, mon nom est Randy. Mon stock est imbattable. On peut acheter des trucs. On peut acheter une noble. J'ai presque envie. On peut acheter un permis bovin. Et j'ai presque envie d'acheter une obole. Ça nous permettra de débloquer le pouvoir qui nous manque. Une visiteuse! Personne ne vient jamais ici! Tu dois être perdu. Ou pire, tu fais quelque chose d'illégal! Ce que je ne fais pas du tout! Bonne journée alors! Ok, tout est affreusement sympa. Endroit, qu'il y a des gens, encore d'autres gens. Ah, il y avait une plus haut. Il y avait une plus haut que je vais pas pouvoir attraper à partir d'ici. Du coup, voilà, je vais pouvoir attraper à partir d'ici. Du poireau et un poster vintage signé. Youpi. Des maisons qui sont fermées avec, il faut bien un coffre. Coffre ici aussi. Avec une grosse bouteille de lueur. On va tout de suite ouvrir. Tiens, j'ai une moyenne ici. Voilà. Hop. Je peux grimper là. Je peux grimper là. Et du coup, je dois pouvoir attraper...
que je voulais attraper, je sais plus où. Où es-tu ? Là. Un permis bovin et une graine de pêche. Ça valait le coup de ne pas acheter mon permis bovin. Hein. On notera. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a ça. Du muesli. C'est parfait tout ça. C'est parfait, c'est parfait. Alors, j'ai pas parlé à plein de gens. Il y a plein d'endroits qui sont fermés. Mais on a quand même trouvé pas mal de choses. Donc ici, on avait pris le trésor. Alors, dégage. Ok. Tu en as ? Je sais pas ce qu'on est censé en avoir, mais on n'en a pas visiblement. Non merci, continue de marcher. Ouais, vraiment, des gens sympathiques. C'est bon, bande d'abrutis. Vous devriez avoir honte de votre manque de connaissances musicales. La meilleure chanson du monde, c'est la fin de l'automne. Ça ne fait aucun doute. Cette chanson, c'est de la bombe. C'est un mensonge pur et simple. Le mythe des chéris n'est pas seulement une chanson supérieure, mais le techniquement plus intéressant. Tu connais rien à la musique. C'est la même chanson, imbécile. Impossible. Les mots mythes des chéris sont même dans les foutues paroles. Non, c'est pas vrai. Tu n'as pas de goût et tu connais rien. Hey, aide-nous avec ça. Ces petits idiots disent que la fin de l'automne et Mythe des chéris sont des chansons différentes. C'est juste faux. S'il te plaît, aide-moi à prouver à ces cons qu'ils ont tort. Joues-tu de la guitare? Mais bien sûr que oui, regarde ses doigts. Calleuse comme une montagne, si seulement tu savais la chanson, tu pourrais la jouer pour nous. Attends une seconde. Je sais qu'on peut trouver la partition de la fin de l'automne. C'est littéralement l'hymne sportif de ma ville natale. Tout le monde la connaît. Je suis sûr qu'on peut trouver une boutique Nordweiler où on peut l'acheter. Ça doit bien se trouver là. Voici un peu de monnaie. Garde-la, mais reviens avec cette partition. Et je pense qu'on a déjà la partition. Alors, partition. Encore une bouteille de lueur. J'ai Plastica Fantastica et j'ai la fin de l'automne. Super! Tu as fait du beau boulot, tu as trouvé la partition de la fin de l'automne! Maintenant, fais-la résonner. Va jouer la chanson au centre, là. Cette folie s'arrête. Unissons-nous. Alors, je veux bien, mais je suis pas sûre de savoir... Oh là, j'ai rien à faire. Impossible. Extraordinaire! Tu es assurément une roqueuse. Je te l'avais dit. Je leur avais dit. C'est la même chanson! Merci d'avoir tranché cette question. Maintenant, ces soi-disant amateurs de musique vont nous foutre la paix! Ouais! Voilà, une quête rondement menée! Tu t'es parlé, toi? Oui, le roi lézard. Eh bien, tout cela est bien fantastique. Je suis tombée dans l'eau. C'est pas grave. Au moins, on a un peu vu ce qu'il y avait par ici. C'est plutôt cool. Et donc, du coup, j'ai un nouveau permis bovin, donc je pourrais faire une deuxième stalavache. C'est pas forcément le délire, mais ça pourrait. Et on a dit qu'on pouvait faire ce qu'il fallait pour l'amélioration de... Bruce et Mickey, il faut deux feuilles de verre transparent et deux lingots d'argent et du tissu de soie. Alors, où est-ce que j'ai mis tout ça? Parce que j'ai un peu réorganisé. Donc, il me faut deux feuilles de verre transparent.
Il faut que je refasse de la poudre de chaux. Bonne nouvelle, c'est que le concasseur est juste là, donc pour faire la chaux, ça va être vite fait. On va donc pouvoir faire une deuxième feuille de verre transparent. Je vais peut-être d'ailleurs définir une destination, histoire qu'on avance un peu. Et on avait dit qu'on irait voir Suzanne. Faut quand même voir ce qu'on a là. Ah! De l'éclair en bouteille, des caisses et une nouvelle zone. Continuons à suivre les caisses. On a besoin du tissu de soie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont tous ceux-là? Je les ai pas nourris. Je trouvais quelque chose que tu pourrais peut-être aimer. Merci. Et toi? Tu as faim. Bien évidemment, tu as faim. Plus que du pain, moins que de la pizza. On y va aux décorations, on y va. Du coup, on a Francis. Est-ce que tu as des nouvelles courses, Francis? Tu n'as pas de nouvelles courses, mais je peux toujours te donner du céleri, de la fibre de coton. Je peux toujours faire ça. Donc, je dois pouvoir acheter. Je dois pouvoir vendre. Donc, on fait attention à ne pas vendre notre permis bovin. Voilà, c'est parfait. On a dit qu'il nous fallait du tissu de soie. Je vais donc refaire de la soie. On en a... largement ce qu'il faut de la soie, ça vient tout seul, c'est très agréable. On peut faire ça, pouf, je glisse. Mes caisses, tendez-moi les caisses. La graine de pomme de terre. J'ai pas réussi à avoir ça. Voilà. Y a pas de petit endroit où plonger, j'en vois pas. Hop. Attends-moi la palourde. J'ai pas vu de petit endroit où plonger. Donc on va direction ici. Autant continuer à explorer. On va retourner faire notre soie. Pendant ce temps-là, je passe ici parce que j'ai la petite pop-up. Et je t'ai pas nourri. Ah, j'ai pas fait tes nouilles préférées. Tu n'aimes pas le sucré. Tu as tort, ma chère. Et du coup, elle a fait du lingot de fer. On va lui faire un câlin. Et on va surtout arrêter l'épisode là. On ira découvrir la place Sunspring la prochaine fois.
Je vais probablement finir le tissu quand même. Histoire qu'on sache où on en était. On en était à pas grand chose. C'est parfait, et il manque, avec le bon bouton c'est mieux, il manque 2 lingots d'argent, on va les faire tout de suite. Et on va s'arrêter après avoir amélioré la maison où c'est le quai. Ouh, oulala, 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 raté. Ça va être tricky. On recommence. Non, trop chaud, trop chaud, trop chaud, trop chaud. Ah, c'est tricky l'argent pour le coup. On recommence. Il faut bien attendre que ça redescende. Là ça va, c'est pas aller trop dans le rouge. Là ça va, c'est pas aller trop dans le rouge. Et là, c'est catastrophique. Et ben dernière tentative. Va-t-on réussir à améliorer cette maison ? C'est rare que ça nous oblige d'aller dans le rouge, hein, de la sorte. Mais c'est aussi le but du jeu, hein, c'est que ça devient de plus en plus dur en fonction de ce qu'on a. C'est parfait, normalement on est bon. On va pouvoir améliorer. Non, pas modifier, améliorer. Chez Bruce et Mickey. Et voilà. Et on verra ce que ça donne la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir suivi et à très bientôt pour la suite. Bye bye.